Alors je vous ai appelé mes sœurs et mes frères, pourquoi? Plutôt que mesdames et messieurs. Oh, mes sœurs et mes frères, c'est tout simple, parce que nous sommes d'une certaine manière tous de la même famille humaine. D'abord sur le plan symbolique pur de ce qui est écrit dans la Bible, nous sommes bien tous les fils de Noé, puisque l'humanité a été détruite lors du déluge, et que Noé avait trois fils, Shem, Cham et Japheth, et que nous sommes tous descendants de ces trois fils de Noé. Donc par définition, nous sommes au moins, sinon réellement frères, au moins cousins. Nous sommes également tous frères et sœurs, parce que sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier et qui se sont diversifiés. Et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation, de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Tous les hommes initialement avaient la peau noire, ce qui fait que nous sommes également, quelle que soit la couleur de notre peau, parfaitement sœurs et frères. Et du reste, nous avons tous, sur le plan scientifique, exactement les mêmes cellules, les mêmes mélanocytes, les mêmes cellules qui pigmentent la peau de façon identique, quelle que soit la couleur de notre peau.